Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Fallout 4 pour l'épisode 56. C'est parti, hein, on va encore aider les miliciens. J'ai toujours la petite dépendance. Enfin. Je suis toujours accro aux médics. Dépendance. C'est parti. Est-ce que je fais représailles tout de suite? Bon, je pense que ce serait le mieux. Au niveau de Sanctuary, donc pourquoi pas, au moins on est tranquille. Ce sera parfait. Donc là, le PPR, elle est juste J'ai là. éliminé les pillards qui persécutaient la colonie où vous m'aviez dit d'aller. Les gens de là-bas ont accepté de se rallier à notre cause. Excellente nouvelle. Un jour, on sera assez fort pour chasser ces ordures du Commonwealth une bonne fois pour toutes. Comme d'habitude, j'ai encore quelque chose à vous confier. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Quand vous aurez fait le ménage, posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth. C'est normal qu'il y ait eu un mini-freeze. Salut Luni, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Alors. Nettoyer la zone. Représailles. Quoi l'intitulé? C'est que je suis dépendant au Medic X. Il faudrait peut-être que je trouve un médecin. Pas de médecin tout près. Je pense que. Quel est le niveau de Diamond City? Ah bah ça va alors. Il va y avoir du mouvement. Si vous causez des ennuis, vous allez en avoir vous aussi. J'ai. Vol. Merde. Il paraît que vous posez tout un tas de questions en ville. Vous ne trouvez pas. Pas où est le médecin, je me rappelle. Non, c'est un résident. On me demandait où il était le médecin. Ah, je suis trop lent. Salomon. Tout le monde a peur de son ombre dans cette ville. Faut se détendre, c'est ce que je dis toujours. Faut accepter la vie telle qu'elle est, vous savez. Il arrive un truc moche, on dit ok, et puis c'est tout. Aucun crâne ne résiste à une authentique colère. Le surplus de Dai. Encore vous? D'accord, j'ai de nombreuses marchandises. Voyons ce que vous avez là. Voilà notre sélection. Eh mais c'est pas pour rien ce truc de merde. Accept. Voilà, je suis plus dépendant, il n'y a plus le petit pilule à bas droite. Et que niveau 31. Module, c'est pas forcément fou. Ça j'aimerais bien l'avoir hein. Mais bon, je suis pas niveau 34 malheureusement. Bon bah on va augmenter la résistance aux dégâts. Voilà.
Donc du coup là je viens de rechoper 20 en résistance parce que j'avais vu avec la dépendance. J'avais moins 10 quand même en résistance, ce qui est pas fou. Mais au moins là on est remis comme il se faut. Comme il se doit. Prendre quelque chose. C'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Et que petite rade. Parfait ça. Pas encore d'ennemis pour le moment. Parfait, ça c'est bien. Il y aura de l'expérience au moins. Ouais, pourquoi pas. Je nettoie quoi, y'a personne. Bizarre quand même. Ah ouais, il est complètement mort le robot. Démonté. Ça, pourquoi il y a rien que je dois nettoyer? Ah bah voilà, ça commence. C'est effrayante. Oh bah, pas de bol hein. Très bien. On commence. Là j'ai dû réveiller mes mères, non? Concepteur sur lequel il a pris. Ah je sais pas. Quel robot hein? Je dirais qu'il a pris un peu de Marie-Jeanne. L'eau. Bon. Une carotte. Ah, celui-là, il a l'air pas mal. Bon, ça en donne encore plus? Pourquoi pas. Ça c'est cool. Vous recevez plus de viande sur les animaux. Oh, bah c'est cool. Non là c'est vachement bien. Ouais, c'est vraiment une cachette quoi. Une cachette qui ne donnera absolument rien. Un smoking. Bon.
quelque chose à part. Je vais faire quoi? Parce que c'est encore... Voilà, c'est construire une balise. Il y avait un générateur ou pas du tout? Oh bah arrête les conneries! Le fort. Tout petit générateur, ça se fera amplement. Activé. On va reparler à Preston. Il va être content là, le pépère. Ça passe pas à travers, malheureusement. Général ? J'ai nettoyé l'endroit comme convenu, et posé une balise radio. Excellente nouvelle. Les gens qui s'installeront là-bas seront sûrement prêts à coopérer pour se défendre. Comme toujours, j'ai autre chose à vous confier. Je vais l'indiquer sur votre carte. Il faut rallier un maximum de soutien. Faites le maximum pour aider. Ok. Bon bah si on chope tous les points, ça peut être cool. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le stream. Merde, pas fait gaffe. On va. Tiens, mange. Toi tu manges. Autant que ça serve à quelqu'un, on va dire. Calibre 12, pourquoi pas. Bon, ça devait être quelques ennemis que je n'avais pas encore tués. Voilà, ils sont morts. Donc c'est très bien. Ah, tu l'as dans une mine, dans une carrière. Les miliciens sont toujours prêts à aider. De quoi vous avez besoin? Un groupe de ghouls sauvages s'est installé pas loin d'ici. Et certaines ont commencé à rôder dans les parages. Si ça continue, elles risquent de finir par envahir notre colonie. Il faut que quelqu'un nous en débarrasse.
Je m'en occupe. C'est comme si c'était fait. Bon débarras. Vous avez entendu parler de... Tu vas devoir battre des... pas mal de ghouls. Je serais plus te dire laquelle. Je ne sais plus. Derrière au nord ? Au nord. J'ai pu te dire. Il y a des ghouls quelque part. Merde, j'ai oublié de regarder tout de suite avec la carte. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, j'allais regarder quand même si c'est pas là-bas, mais ça m'étonnerait. Je ne sais plus. À vrai dire, ça fait un petit moment que j'avais pas retouché au jeu, donc... compliqué. Bah voilà. T'as de la chance, je l'ai trouvé. Donc je te donne le nom. Là. Et ici, va dedans. Essaye d'aller tout en bas. Et normalement, tu vas pouvoir choper la lame. Bien évidemment, il faudra que tu affrontes pas mal de ghouls. Voilà, je te spoil pas plus. Hein. Je te dis juste que tu vas avoir pas mal de ghouls. Et puis voilà. Et normalement, tu peux même avoir une armure assistée. Enfin, un bout d'armure assistée. Il y a là des mecs que tu... va devoir tuer. Merde, c'est vrai que déclencher des chiés. Devoir les tuer. J'espère que l'autre va pas me démolir. Mais tu vas crever, oui. Tu vas crever, non mais oh. Oh. Oh cool. Prends quand même. Mais c'est pas fou parce qu'il n'y a pas de poignée. Ouais, c'est dans une sorte de puits, tu vas devoir plonger, puis elle sera dedans. C'est pour ça que je conseille par contre d'avoir amphibie. Si tu l'as pas, ça peut être un peu galère. Surtout, ça t'enlève les radiations et autres, enfin, par rapport à l'eau. J'espère seulement juste que tu aies au moins cette compétence. Moi, je la trouve très utile. Oh non, le livre est noir. La BD est noire dans le dos. Faut pas d'être graffiti. Ah c'est parfait, alors du coup tu vas pouvoir être tranquille. Je trouve qu'amphibie c'est bien quand tu dois traverser, par exemple t'as pas envie de te faire chier à passer un pont, tu traverses. Si tu le fais sans justement avoir la compétence, tu prends trop de radiation. C'est un peu abusé. Et bonne chance pour aller la chercher, oui. Il y a eu pas mal de légendaires. Oh. Et j'avais oublié qu'il y avait la tourelle que j'avais pas encore pété. Depuis le temps. Elle est pétée. M'en fous, on n'a pas peur. Allez sur notre lieu. Verte. Et tuer tous les ennemis qui se dresseront devant nous. Oh. Je crois qu'on m'a vu. Donc, si on m'a vu. On va sortir. Ah, il est où le tu? Il fait que 50. Non. Oh, c'est dégueulasse. Moche. Oh, bah ça va, oui. Car moi, je suis pas niveau 50 et ça se passe, hein. Par contre, sauf si je reste là comme un gland et que je vais me faire des... allumer le fion.
Allez, fais goût. C'est parti. Après, elle doit pas être aussi forte que le point assisté. C'est que des ghouls. Je peux me les faire avec ça. Ça évite. Ah ouais. Peut-être gland par contre il tire et que je me prends feu, je vais m'énerver. Merde. Bah j'attaque quand même, on sait jamais. Par contre, ne pas boire de l'eau. Non, je voulais juste prendre le... Bon, les capsules et munitions, c'est pas mal. J'ai pas vu qu'il y avait des capsules. C'est énorme. Faire des tics. Ouais, c'est économise à mort les balles. On peut pas encore. Dégueulasse. Non, alors, les mouches, on se calme. Allez. Bah tant pis. Voilà. Hydrate pour le moment. Oh. Ah non, hein. Commencez pas à me bloquer. Ah, une légendaire. Alors, légendaire, ça c'est pas mal. J'espère juste me... Oh putain. Allez, je vais me faire bloquer. Ok, passe une bonne nuit, Luni. Merci d'être passé. Martyr. Ça c'est cool. Ça j'aime bien. Martyr, c'est terrible. Ça peut permettre de mettre un DPS de malade. Elle est là. On va l'attaquer tout de suite. Parfait. Oh, c'est la goule que je... Oh, bon d'accord. Couteau de table, ça sert à... Pas apporter ça, ça vaut rien. Ouais, Albert. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Un re-bienvenue plutôt. Ah d'accord. Merci du conseil du coup. Mais je préfère, je sais pas, à chaque fois attaquer, on sait jamais. Mais merci du conseil. De te faire hack. Qu'est-ce que t'aurais bien pu faire pour te faire hack? Qu'est-ce que de mineur? Télécharger une connerie ou autre? J'avais envie. Oh, j'ai découvert la goule. Ah, c'est l'attaque que j'ai pu lui lancer. Pourquoi tu meurs? Oh non. Oh non. Oh, c'est relou ça. Bon.
Là, c'est pour la relou. Si c'est par rapport à ton... un autre utilisateur, ouais, c'est qu'on a chopé ton mot de passe, donc ça, avec ton adresse mail, normalement tu peux bloquer quand même la personne, on va dire. Pouvoir changer ton mot de passe. D'ailleurs, je te conseille de le faire le plus tôt possible. Ah, c'est un légendaire. Oh bah, le légendaire. Oh my god, j'ai jamais eu un lance-flamme comme ça. C'est cool. J'aime bien. Et voilà. Encore un bonus pour que ce soit plus facile. Bah ouais, on a lui 20 magazines. Bien ça. Oh t'inquiète, ça arrive la plupart du temps. Hein. Sur PlayStation ou autre, quand tu sens que y a un doute, bah faut changer. Hein. Vaut mieux. Miracle, je sais pas. Bon. Bon, normalement, on devrait plus avoir d'ennemis. Allons-nous-en. Je parie que. Bah non, je vais pas dans le bon sens. On venait de par là. On ne peut pas monter. Oh non, je me suis perdu. Salut Bernard, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Salut Young, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Mais je me suis perdu. Moi, j'ai fait encore pour me perdre, moi. Oh bah oui. Oh bah bravo. Je passe pas du bon côté. Ça va être compliqué, tu vois. Voilà. C'est bon. Ben si tu as un problème avec ton adresse. Enfin, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte et qui se déconnecte avec ton compte, c'est pas logique. Donc oui. Là tu peux forcément le savoir via ça. J'avais fini le jeu sur PC, c'est pour ça que là je le fais sur la Xbox One. Et voilà, c'est la reprise, on va dire, du jeu. Mais qui est sympathique. Il n'y avait pas joué sur Xbox One. Et... bon, c'est sûr, les graphismes, c'est un tout petit peu différent, mais ça passe. Le jeu en reste toujours sympathique. Par contre, la fin, il me semble qu'elle est galère. On va essayer de mettre des points, des tirés, des choses comme ça, des majuscules, des chiffres. Tout le tralala, quoi. Vous avez réussi à éliminer ces ghouls ? Ah oui. Rassurez-vous, ces ghouls ne vous poseront plus de problème. C'est vrai ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous remercie sincèrement, vous et les miliciens. Vous pouvez compter sur notre soutien. Bah non, parce que j'avais déjà fini.
Dead Rising 2 et Dead Rising 2 of the Record, je les ai terminés. Il y a Dead Rising K0 et K-West, je les ai finis. Dead Rising aussi, il y a juste le 3 que j'ai pas fait et... Au moment, j'ai pas encore prévu de le faire, parce que je voudrais l'avoir sur Xbox One, mais bon... L'épée, bah, c'est la dent que tu peux trouver dans la carrière. J'avais montré le lieu tout à l'heure, je vais le remontrer vite fait avant qu'on arrête cet épisode. Bien évidemment, les épisodes, c'est pour les rediffusions YouTube. Ne vous inquiétez pas, le stream ne s'arrêtera pas. Je préfère le signaler. Là, on va parler au pépère. Il est content. Excusez-moi. J'ai essayé de vous contacter par radio, apparemment. On dirait qu'il y a un problème. Allez donc voir ce qui se passe. De quoi vous avez besoin, général ? De quoi les 3 DLC ? Sur Fallout ? Je les ai pas du tout. Si c'est les DLC de Fallout, je les ai pas du tout. C'est ici que tu pourras trouver là-dedans, justement, donc ce qui est l'épée que je dispose, qui fait un saignement quand tu tapes. Tu vas dedans, tu vas complètement tout en bas de la carrière et tu essaies de trouver un passage, et puis tu dois aller dans un. Tu dois trouver un puits, tu auras pas mal de ghouls à les tuer, etc. Quoi. Tu verras, c'est sympathique. En plus, ça te fait comme des flashbacks. Moi, je trouve que c'est sympa. Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode de Fallout 4. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut à tous !